Absolument pas. C'est un mythe. Piment cabri. Oh, la chaîne qui pouaque. Alors, je suis né à Saint-Pierre le 24/03/2000. Le 22 mars 2003 à Saint-Pierre. T'es bien mis sur tes tampons. Réunionnaise et après, comme toute créole, un mélange d'un peu partout, hein, chinois, et arabe, malbar. Un vrai réunionnais, quoi. Très assidu, très ponctuel, très bon élève dans l'ensemble, ouais, très bon élève. Plutôt calme, bon élève en vrai. Dis pas ça parce que c'est moi, mais bon élève, calme. Mais pas trop gros mot même, c'est marmailleux. Et insulte pas trop. T'es en vrai, c'est qui se sort le plus souvent, c'était réfléchir à moi, quoi, tout simplement. La moukate. À l'âge de 9 ans, m'a découvert la guitare à l'âge de 9 ans et m'y pense que c'est là le déclic, la passion a pris le dessus à partir de là. En vrai, m'a commencé tout seul en mode autodidacte en regardant des vidéos sur internet et voilà, m'a commencé comme ça. Après, l'a développé avec l'aide de plusieurs autres personnes dans le domaine. Quentin, bon, en vrai, n'a pas vraiment d'originalité parce que voilà, mais tu trouves pas de pseudonyme pour moi. Il fallait juste mais tu trouves une autre manière d'écrire. Et DJ MC, il faudra voir avec lui, hein, DJ MC. Hein. Quentin, parce que c'est Quentin, il appelle comme ça. Et MC, en vrai, n'a même pas d'explication, moi-même, je ne connais même pas en fait. Emiliana, la reprise version créole. Emiliana, du coup, ouais. Emiliana, l'année dernière, ouais. Ma première scène, c'était incroyable. C'était Grand Kiosque pour la fête des motards, mai 2022. En vrai, un peu stressante. Pas forcément à fond dedans, parce que très très focus sur le show. Mais ouais, mais c'est stressant. Alors, c'est la plus marquante, hein. C'est récemment, hein, l'entre-deux, nous étions en live. C'était la première fois que nous étions produits à nous en live. Et c'était une très très belle expérience. Alors, la scène que la plus marquante, hein, c'était la fête Choca à l'entre-deux. Parce que c'était notre premier concert live. Je suis très content parce que c'est une fierté pour moi de représenter ce style musical-là. Il est très très fier en fait. En vrai, il ne me rend pas moins compte forcément. Donc, je sais pas. Il n'a pas l'impression d'être le nouveau chouchou. Donc, Mais réalise pas, honnêtement, mais réalise pas l'ampleur que l'a pris. Des fois, il a encore du mal à rendre à moins compte, quoi. Une fierté. Une fierté parce que je n'aurais jamais pensé à faire autant de vues un jour. Mais attendez pas moins à ça non plus. Donc, ouais, très très fier de ce titre-là et de ces chiffres-là. Ah non, mamie, c'est pas personne. Il reste toujours avec mon madame, la fidélité, très important. Absolument pas. C'est un mythe. Hein. Ouais, oui, c'est l'amour principalement. C'est le sujet principal et c'est cette qui réunit à nous en fait. Donc voilà,
Oui, après, honnêtement, c'est pas moi qui écris forcément les chansons, donc je suis un peu les idées de Quentin là-dessus. Il m'y adapte un peu à tout, mais oui, on peut dire que Mélan Lover. Incroyable. C'est l'alchimie. C'est l'entente ne nous casse pas la tête. Et voilà quoi, c'est le feeling total. La collaboration avec Quentin, elle est née suite à une rencontre un peu particulière chez moi-même. Et ensuite, ben, nous l'a gardé contact et voilà, nous la bosse ensemble un peu au feeling. Et il l'amène à nous là maintenant du coup. En solo sans DJ MC, t'y m'y pense pas. Hein. Nous va commencer boss avec. Et si bon dia pitié nous va finir avec. Peut-être. Peut-être en vrai. Mais connais pas. Mais honnêtement, je me connais pas. Je connais pas du tout. C'est une lunette. On n'a pas vraiment de date précise, nous espérons l'année prochaine, pourquoi pas proposer ça au grand public en 2024, ouais, espérons. À partir de l'année prochaine, pour être large.